quand c'est important de jouer les matchs, surtout dans cette période contre les équipes comme ça. Parce que s'il faut qu'on commence à faire les premiers pas dans la direction des playoffs. Je pense qu'il y a un peu des choses à dire entre Hull et nous aussi, au niveau de le match qui est annulé ici, après le match ici, le discours des entraîneurs, les clubs de Hull. C'est un match qui nous on va attendre comme eux, j'imagine. On a oublié les choses qu'on a créées depuis longtemps. Et il faut qu'on remette ça en place et avoir un mental qui est beaucoup plus fort. Oui, bien sûr. On contrôle notre destin un peu. Et, on est quatrième à le moment. Et si on continue à jouer comme on a joué les dernières deux semaines, c'est tout dur. Mais si on remonte comme on a joué presque toute la saison, on va être bien placé. Mais c'est dans notre main. Oui, je pense que l'équipe de Hull a changé depuis aussi. Ils ont repris des joueurs qu'ils n'avaient pas pour le match à domicile ici pour nous. Et oui, je pense qu'ils sont fait battre la semaine dernière et qu'ils ont une envie de nous battre cette fois-ci, surtout à la maison. Oui, bien sûr, tout le monde est d'accord que c'était notre effort défensif était peut-être le plus terrible qu'on a fait cette année. Et qu'on veut changer ça cette semaine et le changer plus rapidement. Ça nous laisse égalité, mais on est quatrième quand même en points contre. Et oui, ça nous donne une opportunité à essayer de regrimper la place de troisième. Very aggressive team, very good team, very strong forwards and some dangerous outside backs. So it's always a tough trip when you go to Hull. You know, it's always going to be a hard game and we're expecting a very tough game this weekend. Yeah, I guess it gives us a chance to still finish in that top four, doesn't it? There's a chance for maybe third. So we need to up our defence in the first place. We need to defend really well, and then in attack we need to be more aggressive and run more in numbers as well. So it's a good challenge. They're a good team inside the top eight. So looking forward to a very hard game.